poids, le logement, le travail. Je pense que c'est déjà... L'emploi particulièrement à Saint-Ouen ? Le logement. Le logement, oui. D'accord, gros problème à Saint-Ouen. Je pense que c'est pas spécifique à Saint-Ouen, c'est spécifique à toutes les villes, même si les villes jouent le jeu avec le quota des HLM, malheureusement, c'est pas suffisant. Et il y a beaucoup de familles qui se retrouvent dans des situations de précarité impossible, alors qu'ils ont un salaire et qu'ils pourraient se loger dignement. Quoi. Le logement surtout. Le logement pour les jeunes. Exact, pas pour les jeunes, pour les bébés, pour les gens, pour nous. C'est pas parce qu'on est, c'est-à-dire majeur et vacciné, qu'on a le droit de dormir dans la rue quand même. La sécurité, c'est vrai que Saint-Ouen n'est pas réputé pour être. Mais le gros point noir ici à Saint-Ouen, c'est gérer le logement. Le logement, la sécurité, surtout le travail, voilà. Elle cherche l'emploi. Du boulot, bien sûr, elle cherche du travail, elle cherche d'emploi. Très très dur. Oui. Je pense que c'est le problème fondamental, y compris la sécurité en découle. Quoi. Je veux dire, si tous ces jeunes avaient du boulot, pouvaient se projeter dans l'avenir, je pense qu'on éviterait beaucoup de problèmes secondaires, tels que, y compris les problèmes de sécurité. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de logement, vous n'avez pas de sécurité. Avec quoi on fait la sécurité et le logement? C'est avec l'emploi. C'est sûr. Mais s'il n'y a pas d'emploi, eh bien... Il n'y a rien, tu dors pas, tu manges pas, tu te trouves dans le métro, bien, je sais pas quoi. Et tu finis en prison. Des fois, certains, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème, ils vont braquer, ils vont faire ceci, ils vont risquer, ils volent.